Et quand il a accepté, il a reconnu son identité. Le monde a reconnu son identité. Donc aujourd'hui, vous passez à côté de votre potentiel, vous ignorez qui vous êtes. Et je ne parle pas de dire « Oh, mais je suis une femme » ou « Je suis noire » ou quoi que ce soit. Je ne me définis pas comme ça. Quand vous me définissez juste par « Je suis une femme » ou « Je suis noire », vous me limitez en fait. Pourquoi ? Parce que la société a construit des limitations autour de certaines identités. Si on est des femmes, on a ce plafond de verre. Quand on est noir, on a un autre plafond de verre. Donc, parce que je suis une femme et noire, je vais avoir un double plafond au-dessus de ma tête ? Non, je connais mon identité. Je suis un être infini, je suis un être spirituel qui vit une expérience physique. Et parce que je suis un être spirituel, je suis un être illimité. Et donc, qui dit illimité veut dire que je peux être et faire et avoir tout ce que je veux. Je suis sans limite. Et quand je reconnais mon identité et que je vis à travers cette identité, je peux faire tout ce que je veux. Et c'est ça qui fait que quand je comprends cette identité-là, je sais que je ne vis pas 1% de mon potentiel aujourd'hui. C'est impossible. Et que je dois toujours aller de l'avant. Et tout ce que je fais, c'est investir en moi pour aller toujours plus loin. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas cette conscience de ça. Vous vous définissez encore par « oui, je suis une femme, je suis un homme, je suis noir, je suis blanc ». J'ai tel diplôme, j'ai pas de diplôme. Non. Non. Tant que vous allez vous limiter par des choses limitantes, vous allez rester limité. Dieu vous a pas limité. Il vous a dit, vous êtes des êtres spirituels. Mais vous vivez une expérience physique terrestre. D'accord? Donc oui, le fait que c'est pas parce que la société veut me mettre des limitations parce que je suis femme, parce que je suis noire, que je dois accepter ces limitations. Non. Non et non et non. Et c'est à vous de repousser ces limites. Mais ça ne va commencer que quand vous allez accepter cette identité que vous êtes des êtres limités. Donc marquez, je suis un être limité. Illimité, pardon. Annule. Marquez-le dans le chat. Je suis un être illimité. Illimité. Je suis sans limite. Marquez, je suis sans limite. Parce que tant que vous n'allez pas comprendre ça, rien ne va changer. Vous allez vivre là alors que Dieu a prévu ça pour vous. Pourquoi vous voulez rester dans la médiocrité alors que Dieu a prévu ça pour vous? Vous choisissez, hein, mais moi j'ai choisi. Et si vous voulez, on y va ensemble. On va au sommet ensemble. Troisième élément. D'accord? Quand vous découvrez votre potentiel, vous refusez d'être malmené par les hommes grand H. Parce qu'en fait, on est dans une société où on nous malmène, où on nous rappelle à chaque fois nos limites, où on nous rappelle à chaque fois pourquoi on ne peut pas, pourquoi on ne peut pas faire ci, pourquoi on ne peut pas avoir ça. Ah non, mais Farida, tu comprends, tu ne peux pas faire ci. Pourquoi? Et c'est drôle parce qu'avant, je n'avais pas... Quand on me disait ça, j'acceptais en fait. Et depuis que je fais ce travail de développement personnel, de leadership, mais quand on me dit « non, tu ne peux pas », ça me donne encore plus envie de le faire. Parce que je me dis « mais pourquoi ?» Non. Et ce n'est pas parce que temporairement j'ai des faiblesses, que je suis mal organisée, que je ne vais pas faire ce que j'ai décidé de faire. Et c'est ça la différence. Certains d'entre vous, vous pensez que vous avez besoin d'argent, de ressources, de connexion pour réussir. Et je vais vous donner un exemple qui s'est passé la semaine dernière. Donc, j'ai décidé que comme j'allais à Miami, j'allais faire un séminaire. Et je n'étais pas la seule à décider d'organiser. Il y avait un autre groupe de personnes, mais franchement, ils ont fait des super campagnes, des super visuels, des super vidéos. Ils ont investi en Facebook Ads, etc. Et ils ont planifié 2 dates. Ils n'ont rien fait. Ni une date, ni l'autre date. Je n'avais pas toutes les ressources qu'ils avaient. Par contre, je suis allée jusqu'au bout. Je me suis fixé ça, je me suis dit ça, je vais le faire, un point, c'est tout.
Donc, celui qui gagne, c'est un peu le David contre Goliath. Certains d'entre vous, vous voyez le Goliath en face de vous. Farida, mais les autres ont plus de ressources que moi. Les autres ont plus de renommée que moi. Ce sont des grosses entreprises. Vous voyez ces Goliaths devant vous, mais vous oubliez que vous pouvez être David si vous choisissez d'être David. Et ce jour-là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis restée focus jusqu'au bout et j'ai fait mon événement. Et c'était un succès et c'était juste incroyable. Les speakers étaient extraordinaires. Tout est filmé. On va le mettre. Vous allez pouvoir y accéder dans quelques semaines. Les participants. Pourquoi? Parce que je suis restée focus. Et même la veille, je n'étais pas du tout convaincue par le lieu que j'avais trouvé, etc. Mais ça s'est superbement bien passé. Donc, comment j'ai fait avec... pas nécessairement les ressources que j'avais, alors que eux, ils avaient toute une équipe pour les aider à organiser toute une équipe. Moi, j'ai fait juste avec Maïka qui me faisait mes visuels. On s'est débrouillé. J'ai passé les coups de fil pour trouver une salle. Bon, je voulais faire des partenariats. Ça n'a pas abouti comme je voulais. Mais c'est la détermination. Et parce que je sais que non, je veux le faire, je suis focalisée pour finir les choses. Rappelez-vous, démarrer, finir, réussir. Démarrer, finir, réussir. C'est pas démarrer et essayer. Eux, ils sont restés à « on démarre, on essaye ». Et ça marche pas, on reste. Alors qu'ils auraient pu finir les choses. Ils auraient pu aller jusqu'au bout. Et donc, parce que vous voulez être trop perfectionniste, vous ne faites pas les choses. Vous ne faites pas les choses. Je vous ai raconté comment être allé jusqu'au bout de Weekend United, vraiment faire ça en anglais, parce que c'était aussi un de mes rêves de faire un séminaire comme ça de 2 jours en anglais, pas juste en français, et d'avoir des speakers qui viennent de 3 continents. Et le fait de l'avoir fait jusqu'au bout, je vous jure, ça a créé un déclic. Parce que tout ce qui s'est passé novembre et décembre, c'est vraiment la prise de conscience que j'étais capable de démarrer, finir et réussir. Et aujourd'hui, vous êtes en dessous de votre potentiel parce que vous laissez les hommes, vous laissez les circonstances dicter votre potentiel. Non, c'est vous qui dictez votre potentiel. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les circonstances. D'accord? 4e élément, découvrir son potentiel, c'est s'épanouir. Comment vous voulez être pleinement épanoui si vous ne savez pas qui vous êtes et si vous n'observez pas ce que vous êtes capable de faire? Là, moi, je suis toute contente parce que je me suis dit, waouh, non seulement je suis allée à Miami pour 10X, mais en plus, j'ai fait quelque chose qui était important, réunir les gens dans une salle et faire mon séminaire. Et vous savez quoi? Grâce à ce séminaire, j'ai des speakers maintenant qui sont déjà programmés pour octobre et qui vont venir des États-Unis partager leur expérience à Paris. Mais rien n'aurait été possible si je n'étais pas allée jusqu'au bout. Et je me sens épanouie parce que je ne vais pas juste à un séminaire pour investir sur moi. Je mets en application ce que j'apprends. Je mets en application ce que j'apprends. Et donc, chaque fois, je vous donne des opportunités de mettre en application ce que vous apprenez en vous challengeant. Là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je recherche des partenaires, je recherche des speakers pour Laisse rayonner ta confiance, pour Weekend United. Je ne vais pas vous donner le stage, je ne vais pas vous mettre comme ça sur scène. Vous allez avoir des qualifications à passer. Mais c'est ça qui est intéressant, les qualifications. Et regardez. Un de mes rêves était de me dire, waouh, un jour, je vais être sur cette scène de 10X. Parce que c'est tellement un environnement tellement inspirant où j'ai vraiment envie de partager mon message. Parce que la communauté 10X, c'est des personnes qui vont adorer mon message, qui ont besoin de mon message pour vraiment aller à un autre niveau. Parce qu'il manque quelque chose dans ce séminaire 10X. On parle beaucoup de... Il manque une dimension et que j'ai appris à développer grâce à CSLM. Et donc, en allant à 10X, qu'est-ce qui se passe cette année? Ils nous disent qu'ils recherchent des speakers pour l'année prochaine. Et j'ai dit, OK, l'année prochaine, je serai sur cette scène 10X. J'ai acheté. Donc, il y avait un investissement à faire. D'accord? 2 000 $ pour suivre tout le programme de training. Pour être sur scène l'année prochaine.
Et j'ai dit, je vais être sur scène et je compte sur vous. On va manifester ça ensemble. Parce que tous ceux qui vont venir l'année prochaine, je ne sais pas si ce sera à Miami ou Las Vegas, non seulement on va faire le voyage ensemble, mais vous pourrez dire, ouais, ma coach Farida, elle est sur scène. Je vais être sur scène. Et on va le faire ensemble. On va y aller, on va faire notre séminaire avant et ensuite vous allez me voir sur scène. Mais regardez comment les choses se sont passées. J'avais eu cette intention. Est-ce que je savais que Grant Cardone allait proposer ça cette année-là? Aucune idée. Mais ensuite, il y a l'opportunité qui s'est proposée. J'aurais pu dire, oh là là, mais j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, etc. Trouver plein d'excuses. Et je me suis dit, non, je paye cash, one shot. Et je veux aller parce que vous devez pouvoir, si vous avez juste des rêves mais que vous n'êtes pas prêt à parier sur vous, pourquoi vous voulez que les autres parient sur vous? Pourquoi vous voulez que Grant parie sur moi si moi-même je ne suis pas capable? D'accord? Donc j'ai fait cet investissement-là et on va le faire ensemble. Parce que vous savez quoi? Cette année, c'était génial. Mais on n'avait pas, pas beaucoup de femmes. On n'avait pas d'étrangers, on n'avait que des Américains. Donc, j'ai dit, OK, ils vont voir cette Frenchie du Bénin qui est française, qui parle français, qui va parler anglais avec son accent. Elle va être sur scène. Et vous, vous serez dans le public. Tous ceux qui étaient là cette année, je veux vous voir en VIP. Tous ceux qui vont aller la première fois, c'est OK si vous êtes en exécutive. Et on va célébrer ensemble. C'est important. C'est important. C'est comme ça que vous vous épanouissez. Et dernier élément, c'est accomplir votre destinée. Vous devez découvrir votre potentiel si vous voulez accomplir votre destinée sur Terre. Je ne partirai pas de cette Terre tant que je n'aurai pas accompli ma destinée. Et vous devez être dans cette dynamique-là. Vous ne pouvez pas quitter cette Terre sans accomplir cette destinée. Je ne sais pas si vous avez, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait cette série qui passait Les Feux de l'amour et il y avait cet acteur noir tout beau qui s'appelait Neil et tout. Et j'ai découvert qu'il est décédé à 52 ans. Bon, je n'ai pas encore regardé puisque j'ai vu ça ce matin sur Facebook. Et je me dis, mais c'est jeune! Et apparemment, il ne s'est jamais remis du suicide, du décès de son fils il y a 25 ans et tout. Et il aurait peut-être attenté à ses jours. Et j'ai trouvé ça, j'étais triste pour lui. Vous ne pouvez pas partir avant votre heure. Votre responsabilité, c'est d'accomplir votre destinée. Mais si vous n'avez pas cette vision, la vie met des choses difficiles. Je connais des parents qui ont perdu leur enfant. Et c'est une expérience vraiment qui, je n'ai jamais expérimenté ça, mais qui doit être horrible de mettre au monde son enfant et de le perdre. Mais je connais des parents qui ont transformé ça, qui se sont dit, OK, on va aider d'autres parents à transcender un tel challenge de la vie. Et ils ont créé une fondation et chaque année, ils lèvent des fonds pour soutenir les parents qui vivent ça et qui ne savent pas comment s'en sortir. Donc, ils ont pris quelque chose d'horrible et ils l'ont transformé en destinée, en mission de vie. Donc, quand vous n'êtes pas conscient de votre potentiel, de votre vrai potentiel, quand la vie vous frappe, vous restez à terre et vous ne vous relevez pas. Et après, pour certains, c'est tellement dur qu'ils font des choses difficiles. Mais quand vous comprenez, quand vous découvrez votre potentiel, quand vous commencez à prendre conscience de quelle est votre vraie mission sur votre vie. Dieu ne vous a pas mis sur terre juste pour manger, boire, aller travailler et faire des enfants. Vous devez comprendre ça. Dieu ne vous a pas mis sur terre juste pour manger, boire, aller travailler, faire des enfants, vous marier. Il a une plus grande destinée pour vous. Il vous a mis là pour changer le monde. Et c'est pour ça qu'on a tous un seul talent. Il y a une seule chose que vous pouvez faire et votre devoir et votre responsabilité, c'est de le faire. Certains, vous avez déjà conscience de ça. Certains, ça va être peut-être dans un an, certains peut-être dans 5 ans. Mais même si vous devez le découvrir pendant 20 ans, c'est votre responsabilité.
J'ai rencontré des gens qui avaient 70 ans, qui avaient 60 ans. Steve Harvey, qui est un grand animateur américain, il a 62 ans, il était sur scène, milliardaire, et il nous a montré son tableau des rêves. Je l'ai pris en photo. Je pense qu'on va le mettre que pour les VIP qui sont dans le mastermind et tout. J'étais genre, waouh, t'as 62 ans et tu continues de faire un tableau des rêves. Parce que pour lui, il n'a même pas encore réellement développé son potentiel. Et pourtant, on peut dire, mais attends, avec toutes les émissions, les shows télé, tout ce que tu gagnes comme argent, tu trouves que tu n'as pas encore assez fait. Donc, vous qui avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, vous vous dites que oh, c'est bon, j'ai déjà vécu. Vous voyez le décalage? Donc, si vous ne vous exposez pas à des gens qui sont toujours dans cette dynamique-là, vous allez croire que vous êtes déjà arrivé alors que vous n'êtes même pas parti. Alors que vous n'êtes même pas parti. Donc, vous comprenez pourquoi ce sujet est si important. Donc là, je vois que ça fuse là. Alors, une de mes amies m'a dit un jour que 90% des personnes trompent la mort en allant au ciné et au restaurant. Mais la question, comment on découvre ce fameux talent caché? Regardez, comment j'ai découvert ce que je fais? Je ne sais pas. Développez vous-même, fixez-vous des objectifs en fait. Et je me rappellerai toujours comment j'ai découvert que j'avais ce talent de coaching, de communication. Je ne savais pas. C'est les autres qui m'ont donné du feedback. Commencez à pay attention, comme il dit Grant. Pay attention. Faites attention à ce que les gens vous disent. Certains d'entre vous, combien de fois je vous ai dit, mais tu sais que tu as été doué pour ça, que tu devrais faire quelque chose, et vous êtes là en train de tourner en rond, de tourner en rond. Oui, mais je ne sais pas, mais nani, manana. Commencez à faire attention à ce que les gens vous disent. Commencez à écouter les feedbacks qu'on vous dise. Une amie, je me rappellerai toujours. Donc, moi, je traversais une période difficile. Maintenant, c'était à son tour. Elle était en train de divorcer. Donc, je lui disais, ben voilà comment moi, j'ai fait pour sortir de ça, etc. Et un jour, elle me dit, mais waouh, chaque fois que je te parle, Farida, tu me boostes, tu me motives, alors que je n'ai pas les mêmes résultats avec ma psy. Et j'étais là, c'est intéressant ça. Elle paye sa psy, mais sa psy n'arrive pas. Donc, ça veut dire que j'avais une façon de transmettre mon message que la psy n'arrivait pas à faire. Mais c'est normal. Le rôle du psy et le rôle du coach est différent. Le psy, lui, il est dans le passé. Moi, je suis dans le futur. Le passé. Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous avez eu une enfance misérable, c'est le passé. Vous avez vu un partenaire avec qui ça n'a pas... C'est le passé. Pourquoi vous voulez rester dans le passé? Le coach, là, moi, je vous emmène dans le futur. Je vous aide à voir qu'est-ce qui est possible pour vous. Donc, forcément, ça donne une autre énergie. Et puis après, j'étais dans un club de développement personnel et on nous disait, ben, quels sont ceux qui veulent animer des réunions hebdomadaires. Et j'étais tellement passionnée par le développement personnel, je voyais ce que ça créait en moi. J'ai dit, oui, moi, je veux. Et je n'étais pas payée pour ça. Rien. Rien. On ne m'a rien donné. Je faisais ça gratuitement, mais j'étais tellement passionnée et je partageais. Et petit à petit, les gens me disaient, waouh, Farida, mais ce que tu as dit hier, ça a changé la vie. Mais ils venaient comme ça et me disaient, je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'avais pas conscience de ce potentiel. Mais j'écoutais ce que les gens me disaient, j'écoutais les feedbacks qui venaient à moi. Et à un moment donné, je me dis, mais tu sais, Farida, peut-être que Dieu t'a donné quelque chose là. Et c'est comme ça que vous commencez à vous former, à structurer les choses, à organiser les choses. Et vous voyez maintenant comment vous pouvez monétiser cette expertise. Le talent ne va pas juste vous tomber comme ça dans les bras. Donc, découvrez qu'est-ce qui vous passionne. Posez-vous la question, entre le 7 et 14 ans, quels étaient les rêves, quels étaient les métiers que vous aviez envie de faire? Commencez par là et posez-vous la question, comment vous pouvez plus faire de ça? Et petit à petit, vous allez voir comment monétiser ça. Si vous ne savez pas comment monétiser, venez, moi je vais vous coacher, je suis très forte à ça. J'ai des clientes aujourd'hui, elles ont développé de nouvelles sources de revenus dans leur business parce que je leur ai juste montré comment, avec leur potentiel, elles pouvaient monétiser, elles pouvaient gagner de l'argent avec.
Mais si vous faites que des vidéos YouTube gratuites de moi et que jamais on a une conversation ensemble, comment je peux vous aider à monétiser votre potentiel? Comment je peux vous aiguiller? Il faut que je puisse vous parler. Il faut que je puisse vous corriger. D'accord? C'est l'expérience la plus dure à vivre. Perso, je ne sais pas comment je pourrais y survivre. Ne te pose pas cette question. Ne te pose pas cette question. Focalise-toi sur quelle est ta mission de vie. C'est tout, en fait. Et c'est tout. Ne te pose pas cette question. Parfois, on veut anticiper les choses négatives. Non. Non, ne te pose pas cette question. Tu te focalises et tu te dis non. Mes filles, elles sont là. J'ai mis ces deux filles au monde. Elles ont un but. Elles ont une destinée. Elles ne partiront pas de cette terre tant qu'elles n'auront pas réalisé cette destinée. Vous avez la capacité, c'est vous qui créez votre destinée. D'accord? Si vous décidez que non, moi je ne pars pas tant que je n'ai pas à faire ce que j'ai à faire et que tant que vous n'aurez pas le sentiment d'avoir fait ce que vous n'avez pas fait, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. Combien de personnes vous disent, oh là là, j'ai frôlé la mort, j'ai eu des expériences de comment ils appellent ça là en français, near death experience, des expériences proches de la mort, où certains disent, mais je suis allée de l'autre côté, je suis revenue. Et beaucoup disent, je suis revenue parce que j'ai décidé de revenir. Je n'étais pas prête à revenir. Ou pas, peut-être parce que ma famille, mes enfants, mon mari n'étaient pas prêts à me laisser partir, donc je suis revenue. Ne laissez pas la vie décider, c'est vous qui créez votre destinée. D'accord? Tu peux répéter cette phrase, oh là là, ça je ne sais pas, donc tu vas écouter le replay ma chérie, là là. Parfois je suis tellement dans le flow que moi je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous comprenez pourquoi réécouter est important, pourquoi les transcriptions sont importantes? Waouh, j'ai même pas vu l'heure. Bon, je lirai vos feedbacks tout à l'heure parce que là, je suis tellement dans le truc. Donc, qu'est-ce qui vous limite rapidement?